Mesdames, Messieurs, bienvenue à la réception du nouvel an de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Herzlich willkommen heute Abend. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, à vous ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2014. Vous représentez ce soir tous ensemble un bel échantillon des milliers de porteurs de projets qui s'investissent à nos côtés au service de la mobilité des jeunes. Grâce à vous, celle-ci se met en place de manière extrêmement diverse. Comme bien d'autres, avant et après lui, Jean est parti en Allemagne avec l'OFAGE. C'était la fin des années 70. Il était alors tout jeune homme. Un des points forts de cette soirée, ce sera le lancement officiel du Club OFAGE, une plateforme interactive qui a pour objectif de mettre en lien les anciens et les actuels bénéficiaires, participants au programme de l'OFAGE et de ses partenaires. Ce club sera un lieu d'échange précieux, une sorte de réseau social dédié à la mobilité, dédié à l'ensemble des histoires qui se sont construites derrière ces 50 ans de l'OFAGE. J'espère pouvoir garder des contacts avec les Allemands avec qui j'ai eu l'occasion de connaître dans un cadre professionnel ou même personnel. Sehr gute Idee, dass gerade die Jüngeren, die noch am Anfang ihrer Berufskarriere sind, dass die dadurch ein Netzwerk vorfinden können und auch uns schon etwas Ältere kennenlernen können und wir vielleicht helfen können bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen und später dann im Berufseinstieg. Et si par ce biais-là je peux les retrouver, ça sera très bien, ça sera d'autant plus enrichissant pour moi. L'OFAGE va, en cette nouvelle année, s'investir particulièrement à l'occasion des élections européennes, mais aussi dans les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, en veillant toujours à se projeter dans l'avenir. Moi, j'étais très contente de commémorer, de célébrer avec beaucoup de jeunes gens l'année 2013, le 150e anniversaire du traité de l'Élysée. Il faut continuer maintenant. Nous avons une autre année européenne devant nous, l'année 2014. Je sais déjà que jusqu'au 25 mai, jusqu'à l'élection européenne, je vais avoir, moi, de beaucoup de contacts avec mes amis pour échanger sur comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe ici en France et ailleurs dans le reste de l'Union. Il va y avoir aussi un grand moment démocratique avec les élections européennes. Et pour moi, c'est essentiel que cette démocratie, elle s'appuie sur une démocratie partagée par la jeunesse pour construire l'Europe à partir de ce socle qui est le nôtre autour de la jeunesse franco-allemande. Mais insgesamt glaube ich schon, dass es auch gerade für die jüngere Generation ganz wichtiger Moment ist zu sehen, dass die deutsche und die französische Regierung stark zusammenarbeiten werden. Und ich denke, das ist auch ein Signal für die Europawahlen.